Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Le CPJ fait en tout 53 interventions. Parmi 53, ça y a 19. Qui déjà nan men autorité judiciaire yo. Gagne 5 zam qui saisi, si nous voulons mettre 2 ça au souli, la fait 7. Puisque quand même, c'est pendant ma rentre dans micro ça information ça vient sous moi qui fait pas de temps. Pas moins de 71 munitions saisies, 13 véhicules confisqués, 827.804 kg marijuana. Saisi, pas moins de 7 otages libérés. Mais gagne tout la jeune Juventa Cantave, que tout le monde connaît dans quelles circonstances, jeune fille ça, te trouvé blanc moli, dans tabac, côté tabac 39, côté li sous deuxième ou bien troisième jour de travail, li, et comment famini tabral découvrir cadavre li, dans l'espace côté à travail là. Et bien gagne deux monde. C'est Pierre Jean-Jacques et Samuel Ossé, tous deux mouns yo, y a répondu question autorité judiciaire yo pour l'instant. Certainement, dossier ça, il n'est pas nécessaire pour nous retourner sur lui, puisqu'il était défrayé la chronique. Je vais seulement rappeler que parmi les gens qui étaient arrêtés dans quatre dossiers Evelyne Saint-Serre, il y a une concubine Eval Domersan, c'est Wislaine Benjamin qui lui-même tout arrêté pour complicité de meurtre. Donc à ce moment-là, la répondu. Question autorité policière. Peterson Benjamin, c'est Peter, que certains moun disent numéro 2, numéro 3, qui est lié dans la base 5 secondes, qui est basée à Village de Dieu. Jacques Ner Delciné, Inel François, Rose Nord, Saint-Louis. Monsieur Sayo, il est impliqué dans un vol de véhicule, un pick-up blanche, il était couleur blanche, d'abord. Non, alors c'est un Toyota Hilux noir que Jacques Ner Delice lui-même lui peinturé en blanc. Puis comme ça, c'est propriété de l'État haïtien. Il appartenu au service ministère jeunesse et sport. Il a volé en date du 25 février 2020 à Delma 18, dans la main d'un employé ministère ça. Il a pris une plaque machine ça. Jacques Ner Delice prend plaque machine ça, li mettel sous yon l'autre machine, alors que l'autre machine ça était impliqué dans yon kidnapping à Miragouane le 31 juillet 2020. Nous présentons nous tous Salner Polidor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Morin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Fragnoville, Delma 75. Infraction reprochée, c'est enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Yo te gen en possession yo, yon pistolet, numéro série c'est 010188. Yo te jwenn zam sa nan men Salner Polidor. Route 9, tout près l'église Cyber, pour moun ki konnen zone nan. Monsieur Sayo, yo Michel Nicolas, Récilom Pierre alias Asselom, Nathalie Augustin, et l'autre femme qui implique la question kidnapping dans tout. Gessner Belfort, tantôt c'est Gessner, tantôt c'est Woody Pierre, tantôt c'est Jude Félix. Ils ont enlevé Jocelyn et Steven, un citoyen de 43 ans. Ils ont libéré le même jour suite à l'intervention de la police et dans le sous-commissariat du Vivier. En date du 30 octobre 2020, ils ont enlevé tout Yol. Derica Derisson, libéré le 4 novembre. Voilà, c'est ensemble de dossiers ça, yo, mais il y a un dossier qui a un aspect particulier, je souhaite faire un petit pencher sur lui. Berlina Musial, 17 ans. La police, dans le DCPJ, recevoir plainte, dit qu'il a kidnappé dans quoi des bouquets. Sur route, li, de la Tremblay à Croix des Bouquets, libre à l'école, la police recevoir plainte, dit qu'il a kidnappé.
La police travaille sur lui. La police intervenue. De quoi des bouquets étant, la police gagne information dit, c'est Gantier Yokembel. La police intervenue, libéré Berlinia Musial, sans rançon, $50,000 américains que ravisseur prétendu demandé, yo libéré. Mais la police pas arrêté là, enquête là, la continue. Par la suite, la police pourra le comprendre, c'est pas un kidnapping, mais c'était un arrangement côté la police était déjà arrêté Jolando par Vélus, qui se ménage Berlinia Musial. Et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille Zami Jolando Pavelus, qui c'est Fenelson Milford. Et yo te gen tan rele parents demoiselle là bay pression, et parents demoiselle là te gen tan déposé sur un compte 15,000 goudes. Jodi an nan la rue on a visité restaurant communautaire, parce que l'on moun ou prend engagement, l'on prend l'argent l'état ou prend engagement ou di wa faire manger, et gouvernement bay fond li bay manger an. Nous voulons assurer nous que effectivement, si reste ça, président, qu'on dit là à jeune peuple. Je dis, nous prenons la rue pour nous garder avec yeux nous, effectivement, et qui ça nous fait avec l'argent l'État, avec manger l'État que nous. Jusqu'à présent, et nous passons dans deux restaurants, nous effectivement, nous voyons que le monde ça nous passer là, nous voyons faire manger. Mais puisque nous avons une visite nous fait toujours, peut-être plus devant, par contre, ça n'a pas, mais jusqu'à présent, le monde ça nous voyons correct. J'ai remarqué là, tout le bagage a bien fonctionné. Manger à bien gérer, c'est toujours un plaisir pour nous travailler ensemble. Je me félicite parce que mon travail là fait. Parce que des fois, des gens nous disent qu'on peut manger à qu'on fait ni. Délégué et départemental là, vient visiter. Son grand, je me grand bravo pour ça, parce que si le cap fait travail par là, moi, je m'en fais pas maintenant. Les criminels sont à l'œuvre à travers plusieurs services. Nous songeons en date du 1er novembre 2019 et en date du 6 juillet 2018. Parmi les policiers qui ont tombé, qui ont assassiné, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils ont travail, plusieurs d'entre eux pendant qu'ils ont travail, pendant qu'ils ont exercé fonction comme police, donc ils ont tombé sur des balles assassines. Donc, le bureau affaires criminelles a traité certains dossiers. En plus, monde là a songé Jean-Robert Omiska, qui était un policier qui était avec cousine Jeannette Pierre. Côté des bandits qui fait partie des groupes de monde qui baille tête yo nom 400 Marozo, yo te assassiné monsieur nan Malpass en date du 1er novembre 2019 et yo te même rivé commencer brûler corps yo. Donc la police te gagne possibilité pour te interpeller Dumont Joseph comme yon nan moun qui ta gain pour être directement avec assassinat monsieur Damzayo. Mais nous rappelons tout en date du 6 juillet 2018, policier Robert Scott, qui a été assassiné dans Delma 83, la police a eu la possibilité pour interpeller, je parlais de Dumont Joseph tout à l'heure, et James Samper et Saint-Soir Myrtil. La police a interpellé deux messieurs Sayo, ils ont répondu. Question policier enquêteur des CPJO, il a compilé les données en attendant, il a acheminé le dossier ça, pas devant autorité judiciaire, il est même capable de faire travail par roi. Mais il y a tout, la jeune Juventa Cantave, que tout le monde connaît dans quelles circonstances, jeune fille ça, tu trouvé l'an moli, dans tabac, côté tabac 39, côté li, sous deuxième ou bien troisième jour de travail, li, et comment famini tabral et découvrir cadavre li dans espace côté il était à travail là. Et bien gagne deux monde, c'est Pierre Jean-Jacques et Samuel Ossé. Tous deux monde ça yo y a répondre question autorité judiciaire yo pour l'instant. Certainement dossier ça il pas nécessaire pour nous retourner sur lui puisqu'il était défrayé la chronique. M'a seulement rappelé que parmi monde qui était arrêté dans quatre dossiers Evelyne Saint-Serre là, gagne concubine Eval Domersan, que les gars ont fait conférence dernièrement, il n'y a pas de guette en présenté à la presse. C'est Wislaine Benjamin qui lui-même tout arrêté pour complicité de meurtre
Donc, à ce moment-là, la répondre question autorité policière. Gagné Anol Joachin, il a arrêté dans des cloches dans la commune Gantier, comme monde qui fait partie de membres 400 Marozo pour tentative d'assassinat, vol armé, etc. Gagné Luckner Louis et Luxon Exilis, il a arrêté dans rue Pavé le 17 novembre 2020 pour port et détention illégaux d'armes à feu. Donc c'est ensemble de dossiers ça que brigade alors bureau des affaires criminelles à travers plusieurs sections de société là yo rivé fait dans période moi ban nous là yo même si gagne des dates qui antérieures à 15 novembre non, mais c'était des dossiers qui étaient en cours de traitement yo potko prêt pour nous te parler avec public là de yo et voilà nous sommes en mesure maintenant de le faire et ce que nous faisons. Nous t'ai parlé tout à l'heure à tout de BLTS. BLTS, c'est un bureau que l'administration, directeur général de la police, là, mettait une cellule presque dans toute grande ville départementale. Presque. Et c'est ça qui fait tout partout, la travail, parce que autant que nous avons port et détention illégaux d'armes à feu, et enlèvement, séquestration, contre-rançon, et ça nous les kidnappings, c'est des crimes qui sont récurrents. Il en est de même pour le trafic illicite de la drogue. C'est un crime qui est très récurrent. Côté nous, c'est jeunes, yo livré dans la consommation et trafic de la drogue. Donc c'est DCPJ, c'est ça que fait. Alors BLTS, pardon, qui n'a DCPJ bien sûr, lié à travers les 10 presque les 10 départements géographiques du pays. C'est comme ça. Dans Fort Liberté, gagné 210,7 kg de marijuana qui était saisi en date du 14 novembre 2020 que BLTS de concert avec SDPJ départemental parce que nous connaissons chaque département y a une structure de police judiciaire qui est SDPJ donc BLTS les travaille de concert avec structure d'enquête ça. Gagné un tour dans Saint-Louis du Nord en date en la même date 14 novembre ça BLTS avec SDPJ, y arrivé saisi 200,8 kg marijuana. Dans Port-au-Prince, dans Port Lafito, plus précisément, dans une enquête que BLTS te menait, y a arrivé arrêté Jean Williams Noël pour trafic illicite de munitions. Donc il a joint plusieurs munitions dans bagage monsieur qu'il a trafiqué illégalement. Et enquête te menait, perquisition avec la justice, te fait, rivé fait et la Kaili dans Delma 75. Côté, monsieur, pour l'instant, la répondre, question autorité policière. Dans Nord-Ouest, BLTS avec DCPJ, en date du 22 novembre, yote saisi 410 kg marijuana et yote interpellé Olibris Renault et Monique Cathy. Donc, voilà, ensemble, de travail que bureau de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants pour le nous donner de façon plus globale menait sorti 15 novembre à date. Tant qu'on s'est présenté nous tout à l'heure, pas moins de 17 monde parmi eux deux femmes impliquées dans enlèvement, séquestration suivi de rançon. Là, on a parlé de kidnapping, fok, éléments ça yo réunis pour nous dire que c'est un acte de kidnapping. Si, et c'est tous les trois, alors tout éléments ça yo yon complété l'autre. C'est pas yon ou l'autre, fok yon complété l'autre, fok tout présent. D'abord, gen enlèvement, après enlèvement, fok gen séquestration, et après fok gen demande de rançon. Trois éléments ça yo, quand yo réunis, nous parlons de enlèvement, ça nous-mêmes dans le langage commun à nous relayer kidnapping. Nous sommes présentés nous quatre premières personnes. Yo. Peterson Benjamin, c'est Peter, que certains monde disent numéro 2, numéro 3, qui est lié dans la base 5 secondes, qui est basé à Village de Dieu. Jacques Ner, Delciné, Inel François, Rose Nord, Saint-Louis. Monsieur Sayo, il est impliqué dans un vol de véhicule, un pick-up.
non blanche, il était couleur blanche d'abord. Non, il était alors c'est un Toyota Hilux noir que Jacques Ner Délice lui-même l'a peinturé en blanc. Puis comme ça, c'est propriété de l'État haïtien. Il appartenait au service ministère jeunesse et sport. Yo volé li en date du 25 février 2020 à Delma 18 nan men yon employé ministère ça. Yo prend plaque machine ça. Jacques Ner Délice prend plaque machine ça. Li metel sous yon l'autre machine alors que l'autre machine ça était impliqué dans yon kidnapping à Miragouane le 31 juillet 2020 et la police nan grisier tapral récupérer véhicule ça et libérer Mounio suite à traquage à alerte que machine ça te gagne d'elle donc il est arrivé libérer 4 moun ça yo. Nous présentons nous tout Salner Polidor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Morin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Fragnoville, Delma 75. Infraction reprochée, c'est enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Yo te gen en possession yo, yon pistolet, numéro série c'est 010188. Yo te jwenn zam sa nan men Salner Polidor. Commissariat Delma, bien sûr, c'est lui-même qui était saisi en tout premier lieu des dossiers ça. Et puisque DCPJ, c'est lui-même qui a compétence pour approfondir l'enquête, donc il a acheminé dossier ça à la DCPJ. Il a gagné tout dans le bloc route 9, tout près de l'église Cyber, pour les gens qui connaissent la zone. Monsieur Sayo, yo Michel Nicolas, Récilhomme Pierre, alias Asselhomme, Nathalie Augustin, et l'autre femme qui implique la question kidnapping dans tout. Gessner Belfort, tantôt c'est Gessner, tantôt c'est Rudy Pierre, tantôt c'est Jude Félix. Ils ont enlevé Jocelyn et Steven, un citoyen de 43 ans. Ils ont libéré le même jour suite à l'intervention de la police et dans le sous-commissariat du Vivier à un check de routine que la police a senti. Malaise là, gain inconfort et inconfort victime nan en dans machine nan, yo te pose question et yo te senti malaise là, yo te rivé interpeller monsieur Sayo. Donc voilà monsieur dame Sayo pardon, voilà et y a répondre question la justice. En date du 30 octobre 2020, yo te enlevé tout yol Derica Derisson. Yo libéré pardon le 4 novembre. Voilà, c'est ensemble de dossiers ça yo, mais on a un dossier qui a un aspect particulier, je souhaite faire un pencher sur lui. C'est côté moi souhaiter attirer attention les parents, mères et pères de famille sur un aspect tout particulier, ce qu'on appelle le contrôle parental. Surtout moun ki gen jeune fille, jeune adolescent fille yo, à partir de 14, 15, 16, 17, jusqu'à ce que vous vienne majeur, pour nous garder qui moun yo fréquenté, qui côté yo aller, qui ça yo fait, à qui moun y apprend pas. Je ne vais pas rappeler ça qui est passé déjà, nous tous nous connaissons, dans la mémoire nous tous là, mais nous avons une situation presque similaire. Heureusement, la police arrive là-dedans à temps, et le pire pas arrivé. 23 novembre. Moi parler de dossier ça dans la presse déjà, j'aime pas de balle non, mais peut-être qu'on est à la situation obligé me balle non, sans façon que pour parents yo capable suffisamment connaît pour connaît qui ça pour yo gain adopter comme conduite. Berlina Musial, 17 ans. La police dans DCPJ recevoir plainte dit yo kidnappé dans quoi des bouquets. Sur route li de la Tremblay à quoi des bouquets li pral l'école. La police recevoir plainte dit yo kidnappé. La police travaille sous lui. La police intervenue de quoi des bouquets étant la police gain information dit c'est Gantier yo Kembel. La police intervenue li libéré
libérer Berlinia Musial sans rançon $50,000 américains que ravisseur prétendu demandé, yo libéré. Mais la police pas arrêté là, enquête là, la continuer. Par la suite, la police pourra le comprendre, c'est pas un kidnapping, mais c'était un arrangement côté la police était déjà arrêté Jolando par Vélus qui se ménage Berlinia Musial et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille Zami Jolando par Vélus qui se Fenelson Milford et yo te gen tan rele parents demoiselle là bay pression et parents demoiselle là te gen tan déposé sur un compte 15,000 goudes. Donc à comprendre, une famille qui n'a pas de moyens, ou mande $50,000, et il a une petite fil dans la main, il a dégagé pour jouer 15,000 goudes, il a déposé, nous compte histoire 15,000 goudes ça déjà, à travers des cas qui traitaient déjà, passé dans le pays déjà, nous ne pouvons pas parler plus sous lui. Mais ce qui est plus important, c'est comment des bandits capable river prend petit tout la caillou dans foyer pour monter tête li pour la bay maman à papa pression pour bay des bandi cob faire des arrangements avec bandi pour bay ou cob sous prétexte que yo kidnappé. Ça li très important. Moi pas passer sous silence même si plusieurs journalistes ont demandé ça, même pas de parler de ça. C'est hier soir, côté Nanfouy, côté délégué départemental Ouest là, et dans Angle, des rues Rigaud et Lambert, dans le cadre d'une fouille de routine, dans un bus de transport, trois bandits, Pierre Norgues, Saint-Just Niki, Peterson Jules, dans un bus qui fait transport en commun, ils ont gagné deux âmes. En possession yo yon pistolet 9 mm numéro de série TF X 44 867 et yon l'autre revolver SR 3838/357 de numéro de série T 1102-131-00-431. Si nous disons tout ça, nous sommes dit là honnête, comme résumé, DCPJ fait en tout de date, nous parlons là à Konya, 53 interventions. Parmi 53, il y a 19 qui déjà dans la main autorité judiciaire. Il y a 5 âmes qui saisissent. Si nous voulons mettre 2 ça au souli, la fait 7. Puisque quand même, c'est pendant ma prendre dans le micro, ça information, ça vient sous moi qui fait pas de temps. Pas moins de 71 munitions saisies, 13 véhicules confisqués, 827,804 kg marijuana saisies, pas moins de 7 otages libérés. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.